Je vais que cliquer ici. Vous pouvez également les classer par site score. Voilà, de cette manière. Nous avons obtenu 3050 résultats. Donc, et si vous voulez encore bien, vraiment, vraiment filtrer, vous pouvez donc utiliser ce qui est à gauche. Par exemple, je voudrais, par exemple, uniquement me contenter des 10% qui sont classés premières, c'est-à-dire dans les Q1. Les 10% des premières qui sont classées dans les Q1, je peux cliquer sur ça. Et par exemple, je voudrais juste les revues, pas d'autre chose. Donc, Apple Apply. Et donc voilà, j'obtiendrai en fonction de mes critères. Donc de 3050, on baisse jusqu'à 313. Et puis, en fonction de votre shortlist que vous avez créée, vous allez pouvoir trancher la revue qui est adéquate pour votre manuscrit. D'accord? Alors, il y a le troisième point, je pense que Madame Nadine. Pardon, que Madame Mariam vient de mentionner, c'est le Researcher Academy. Ça, c'est pour cette formation, mais il y a le Researcher Academy. Ou bien vous tapez, il suffit de taper Elsevier Researcher Academy. Voilà. Puisque je suis toujours connecté sur Scopus, normalement ça, je dois trouver ici mon nom. Voilà. Et tout ça. Et vous trouverez un ensemble de formations qui concernent le cycle de recherche, le cycle de vie pour une recherche, à savoir. Par exemple, la préparation d'une recherche, il y a plus de 15 modules et de 3 sujets. La rédaction d'une recherche, 23 modules et 4 sujets. Le procédé de publication, 28 modules et 7 sujets. Donc, voilà, il y a tout un ensemble de comment naviguer ou bien comment exercer la. Comment s'effectue, par exemple, l'examen par les pairs. Et enfin, comment communiquer sa recherche. Ça, c'est le cycle de vie d'une recherche scientifique. Vous allez trouver tout un ensemble de formations, à savoir comment, voilà les top 5 career questions for researchers, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour choisir le journal en fonction de votre abstract. Et autrement dit, c'est indirectement, c'est Elsevier Journal Finder. Il utilise ce système d'intelligence artificielle. Et voilà, vous trouverez ici, c'est les durées. Par exemple, cette vidéo, elle dure 8 minutes. Ça, c'est 20 minutes. Et voilà. Donc, ici, vous allez trouver beaucoup plus d'informations sur Elsevier Research Academy. Et s'il y a des gens qui ont apprécié cet outil-là et qui ont donné un avis favorable sur cet outil-là. Et donc voilà, je vous laisse avec avec ce point-là. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et maintenant, je commence à avoir vos questions sur la base des Q&A. Donc, Madame Mariam, est-ce qu'il y a des questions sur la section Q&A? Mohamed, Mariam is not with us, so I've joined the session. Thank you very much for your
comprehensive overview of selecting a journal. Thank you very much. It was very interesting. I'm sure there are some questions. We also joined by Madame Tureas Slimani. If you would like to also comment, Madame Tureas, you're welcome. Bonjour, to do Lucia. So. Hi, Lucia. How are you? Bonjour. I'm Bonjour. Good, thank Bonjour, you. Monsieur Benjelou. Bonjour. Et bienvenue entre nous, conformateurs. Merci beaucoup. Donc, il y a des questions, effectivement, sur la partie questions-réponses. Je vous donne la première. Est-ce qu'on peut publier dans un journal indexé Scopus avec frais de publication? Donc, je dis que cela dépend de chaque revue. Cela ne dépend pas de Scopus, voilà. Mais de chaque revue. Effectivement. Effectivement, ça dépend de chaque revue. Et généralement c'est, ça dépend de votre choix. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que les gens accèdent facilement à votre article et le citer et qu'il soit accessible sans avoir à subscription or something ou quelque chose de cette sans avoir à recourir à subscription, yes. Voilà. Donc, vous n'avez qu'à publier dans Open Access, mais il faut tenir compte aussi des, ressources, c'est-à-dire parfois il y a des revues qui sont vraiment vraiment payantes pour pouvoir avoir l'accès à Open Access, c'est-à-dire parfois c'est de l'ordre de 2 800 $. 3 000 $, donc c'est pas vraiment évident. Donc il faut trancher dans le choix, voilà. Donc il y a, est-ce que l'analyse de nos références nécessite que ces derniers soient aussi indexés afin d'augmenter la chance que l'article soit accepté? Bien sûr, de toutes les manières, optez pour une ou bien citer un article qui est publié dans une revue indexée ou bien hautement indexée, plus la qualité de l'article qu'on a cité ou bien plus elle est citée dans plus elle est dans un journal qui est vraiment hautement qualifié et indexé et elle est citée elle nous donne chance dans je m'excuse, voilà. Donc voilà, l'idée c'est que lorsque nous citons des références qui sont ou qui appartiennent à des revues hautement indexées, donc ça garantit aussi la fiabilité de nos résultats ou de nos propositions et aussi de nos informations qui sont mentionnées dans nos articles. Donc voilà. Et aussi, j'ajoute un point important sur la citation des références. Il faut les citer adéquatement et aussi il faut opter pour des références qui sont récentes. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes en 2022. Il faut essayer au moins d'opter pour des articles datant de 2019, 2020, 2021 et 2022 aussi. D'accord? Oui, c'est bon. J'ai aussi une question qui se rapporte aux revues en libre, en open access, qui se demande sur qu'est-ce que vous pouvez penser des journaux open access indexés Scopus avec un bon co-article. Donc, le fait qu'une revue soit en open access, ça ne diminue en rien de sa qualité. C'est un mode Bien que sûr. La revue a choisi. Donc, si vous trouvez une revue open access qui est indexé Scopus avec un bon co-article, n'hésitez pas parce qu'il est en open access, parce que ça n'a rien à voir avec sa qualité. D'accord. Bien sûr. Oui, mais oui. Juste, il faut tenir compte des frais, voilà. Et il y a, je pense, un certain programme Research for Life. Oui, tout à fait. Research for Life, il y a des... par exemple, je pense que pour le Maroc,
Il y a une réduction de 50%, je pense, pour certaines revues. Il faut juste avoir l'accès pour cette... Non, je profite pour votre intervention pour dire aux participants Oui. que nous avons déjà accès à Research for Life. Elle est accessible dans Oui. toutes les universités publiques marocaines. La seule différence des autres ressources, c'est qu'elle n'est pas accessible via l'accès à distance. C'est une contrainte qui est dictée par le programme Research for Life. Donc, on ne peut pas la mettre en accès distant. Mais elle est accessible à partir du campus universitaire de toutes les universités publiques marocaines. Vous pouvez les utiliser. Nous avons accès à une grande partie de son contenu, d'autres bases de données. Donc, je vous invite, c'est l'occasion de vous inviter à l'utiliser. Monsieur Benjamin, il y a ici une question qui dit qu'une revue peut être classée, peut avoir plusieurs articles. Quartile, pardon, selon la discipline. Donc, la question contient implicitement la réponse. Donc, tant que la discipline est différente, elle pourra avoir plusieurs classements. Si vous voulez ajouter quelque chose sur ce point, c'est Michel. Oui, effectivement, par exemple, on peut rentrer, par exemple, ici, je ne sais pas si je pourrais partager mon écran encore. Bien. Ah, déjà, il est en partage. D'accord. Voilà. On pourrait rentrer à Sima Gojir, par exemple. Voilà. Sima Gojir, c'est juste pour vous montrer un exemple. Là, ça vous donne aussi des... Le Simagogi-R, ça donne une idée sur les quartiles. Et aussi, c'est aussi une base de données. Donc, vous pouvez me donner, par exemple, le nom d'une revue de votre choix, par exemple. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une revue, par exemple? Il y a quelqu'un qui a proposé Economics Letters. Economics Letters, oui, on peut, par exemple. Economics Letters. Voilà. Voilà. C'est un journal hollandais. Voilà. Il y a d'autres métriques. Publisher, c'est Elsevier. Voilà, donc voilà. Exactement. Par exemple, ici, on a Economics et on a Finance. D'accord? Dans Economics, par exemple, si on parle de l'année 2019, bon, sinon en 2021, je pense que c'est un Q2. Voilà. Dans tous les deux, c'est un Q2. Mais par exemple, pour les finances, c'est un Q1. C'était un Q1 en 2019 et en 2020. Et Q2, on est dans le domaine économique et économétrique. Voilà, ça, c'est un exemple. Voilà, vous trouverez d'autres courbes ici. Voilà. Voilà, c'est pour Q2 pour Economics and Econometrics. C'est une revue Q2. Oui. Il y avait une question qui se demandait sur l'existence des revues en arabe sur ce corpus. Donc, M. Benjelloun a déjà exposé la manière de télécharger le fichier Excel des Scopus Titles. Oui, exactement. Vous pouvez filtrer par, je pense, langue si vous Pardon, voulez non, identifier les revues en arabe. Je pense, si je me rappelle bien, elles sont 13, dans deux, elles sont inactives. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez faire et sortir plein d'informations et de choses sur les revues en langue arabe et autres langues. Il y a une question sur quelles sont les revues dans un domaine de littérature française. Donc, le doctorant, c'est lui le seul habilité apte à définir la revue qui convient à la publication de son article. Pourquoi? Parce qu'il connaît plus le sujet que les autres. Donc, on met à votre disposition, Elsevier met à votre disposition les outils
la liste et le site et les source titles. Et vous pouvez faire filtrer et choisir selon vos besoins. Donc, personne ne va vous proposer la revue où vous allez publier. C'est vous qui devez faire ce choix. D'accord. Concernant le filtre, j'ajoute un autre point, à part le fichier Excel que je viens de télécharger. Il y a, concernant le filtre des langues, par exemple, si je tape ce mot-clé « Water Treatment », je pourrais aussi voir filtrer la langue des revues, par exemple, que je voudrais dans le côté gauche. Vous allez trouver, par exemple, ici « Country », il y a plusieurs choses. Ici « View all language ». Par exemple, voilà, je m'excuse. Voilà. Par exemple, moi, qu'est-ce que je veux comme langue? Par exemple, on veut par exemple la langue française, par exemple. Voilà, je clique uniquement sur Limit to. Et ça va me donner uniquement des articles qui sont publiés en langue française. Et lorsque je trouve des articles qui sont publiés publiés en français dans des revues, ben, automatiquement, elle est autorisée dans cette revue. Voilà, par exemple, ici, on a International Journal of Refrigeration. Par exemple, ici, vous allez trouver le nom en anglais. Et puis, effet du degré de congélation initial sur les changements de la qualité, les caractéristiques des protéines, etc. Donc, c'est en français. Voilà. Généralement, c'est comme ça. Voilà, vous allez trouver le titre en anglais, puis sa traduction en anglais, en français. Voilà. Ça, c'est un exemple. Et bon, ça, il y a en français, on pouvait choisir aussi, peut-être dans certains domaines, il y aura l'arabe, il y aura peut-être d'autres langues, voilà. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a plein. J'essaie de filtrer et de prendre celles qui n'ont pas eu de réponse. En attendant, je profite pour donner une réponse collective à toutes les personnes qui se demandent sur la manière d'avoir une attestation. Au cours de la semaine, après le webinaire, vous allez recevoir un email contenant un lien qui vous dirige vers un petit questionnaire qui aboutit à le support de la présentation et l'enregistrement, et aussi une rubrique pour entrer le code qui vous a été envoyé sur votre email pour avoir l'attestation. Donc, c'est une procédure très courte et très simple, suite à laquelle vous pouvez avoir les supports de la formation et votre attestation. Vous aurez tous ceux qui ont participé à assister, recevront sur l'email par lequel ils ont fait l'enregistrement et assisté à cette formation, ils recevront le lien qui contient l'enregistrement et le lien pour l'attestation. D'accord, merci beaucoup, Madame Souria. Oui. Pour l'éclaircissement. Il y a des questions sur le délai de publication de l'article et le délai d'indexation, de la parution de l'article sur Scopus. Le délai de publication, c'est ça? Donc, le délai de publication, ça dépend de la revue. En principe, oui, chaque revue a sa politique avec le temps que prend le peer review et la publication. Donc, c'est la politique de la revue. Mais quel est le temps pour que l'article qui est déjà publié apparaîtra sur Scopus? Oui, exactement. En fait, par exemple, lorsque vous accédez à une revue dans ICBE, par exemple, vous allez trouver Submission to First Decision, c'est-à-dire lorsque vous allez soumettre pour la première fois votre manuscrit à la revue, elle va vous donner une première décision. La première décision, c'est quoi?
soit accepté, et c'est ça, c'est très rare, soit rejeté, c'est-à-dire article refusé, soit elle va vous donner une révision mineure, ça c'est aussi c'est très rare. Ça c'est pour et pour la plupart des cas c'est des révisions majeures. Donc ça c'est à vous de choisir le submission to first decision. Ensuite, lorsque si vous par exemple vous recevez major revision par exemple, vous allez avoir ils vont vous dire par exemple dans l'email nous devons recevoir par exemple votre article ou bien votre manuscrit révisé dans le délai, etc. Au plus tard, la date, etc. Ils vont vous donner la date. Et puis ensuite, donc si par exemple, si après votre révision, l'article répond aux critères de la revue et aux critères de qualité requis par les examinateurs, c'est-à-dire les reviewers, ben là, elle sera acceptée. Généralement, la durée, c'est en fonction de la disponibilité des reviewers et en fonction de leurs réponses. Et aussi, bien sûr, après avoir eu la réponse des reviewers et leur acceptation, c'est-à-dire l'éditeur va vous envoyer un email. Auquel il vous mentionne que l'article il a été accepté, ben, il y aura un autre processus, c'est-à-dire vous allez remplir un formulaire de droit d'auteur, etc. Et puis, donc, l'article il sera publié généralement, par exemple, dans les différentes, auprès des moteurs de recherche de différentes maisons d'édition, à savoir par exemple Sciences Directes. Et après un certain temps, l'article, si la revue elle est indexée, elle apparaîtra dans votre article apparaîtra dans Scopus. Voilà. Et donc votre article elle sera comptabilisé comme indexé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Donc, il y a des questions qui demandent le lien pour télécharger l'Excel. Donc, vous allez le recevoir pour la présentation. Sinon, vous pouvez aller sur le Oui, site des élèves. je vais le copier dans le chat. Je vais essayer de le Parfait. copier Moi, dans je ne le peux chat. pas le faire. Je n'ai pas accès au chat public. Donc, si vous pouvez le faire, il y a beaucoup de personnes qui le Voilà. demandent. Je vais le publier maintenant dans le chat. Coller. Voilà. Non, ce n'est pas les autres et les panélistes, mais apparemment, est-ce que tout le monde l'a reçu parce que. Voilà. Donc, je vais essayer de le mettre dans le Q&A, peut-être. Parce que au niveau du chat. Apparemment, vos messages ne sont pas vus par le Ah oui, public. justement. C'est ça. Elles sont vues uniquement par les hôtes. Oui, c'est justement parce que lorsque ça me donne. Voilà. Q&A, alors discussion. Voilà, parce que dans les choix de A, j'ai hôte et panéliste, j'ai Skumbe Lucia, donc j'ai moi-même et avec vous, Madame Touria. Donc, j'ai pas pour tout, je ne sais pas comment avoir pour tout le monde, mais essayez de le partager, je vais vous l'envoyer et essayez de le copier si vous voulez pour les. D'accord, nous avons pris déjà beaucoup plus de temps que prévu. Donc, je promets aux participants que nous allons le mettre après quelques minutes sur notre page Facebook qui D'accord, est voilà. ibis.cnrst en attendant que vous le recevrez sur vos emails. Donc, il y a beaucoup de questions, certes, mais je suis désolée, le temps est passé trop vite.
et il y a des contraintes et des engagements pour les présentateurs qui ont avec nous, y compris Madame Lucia. Donc, on doit la libérer, on doit vous libérer vous aussi, Monsieur Benjelloun. Je vous remercie tous pour votre présentation. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de répondre à toutes ces questions parce qu'il y a toujours un autre programme qui va s'étaler jusqu'à décembre. Donc, vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions. Nous allons les prendre en considération, essayer d'y répondre sur des posts différents sur notre page Facebook ou sur notre site ou dans les prochains webinaires. Donc, je vous remercie. Si vous avez un mot pour clôturer Sébène Jeloun, je vous cède la main et je vous remercie d'avance. Thank you, Lucia. Merci, Sébène Jeloun. Merci pour les participants. Merci beaucoup, Madame Turia. Thank you very much, Mrs. Skoumbe. Merci beaucoup aussi pour Madame Mariam. Je remercie aussi tous les participants qui ont été ici parmi nous. Et je vous invite donc à suivre aussi nos prochains webinaires. Et je vous laisse aussi ma boîte email. Voilà, vous pouvez la noter. Donc, je vous remercie très fortement et je vous retrouve à très bientôt dans d'autres webinaires et dans d'autres occasions, Inch'Allah. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas à Fès, bienvenue chez nous à Fès, Inch'Allah, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci, Sidi Benjelloun. Thank you. Bye-bye. Thank you. Au revoir.